a été dite en sa mémoire en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Louise Tounsakala était là pour le compte de la RTNC. 7 septembre 1997, 7 septembre 2009, cela fait 12 ans depuis que feu Maréchal Mobutu a quitté la terre des hommes. Une messe d'action des grâces a été dite en sa mémoire à la cathédrale Notre-Dame du Congo ce samedi 12 septembre 2009. En présence de plusieurs autorités des marques et des partisans de l'Union des démocrates mobutistes, présent à cette cérémonie commémorative, le vice-premier ministre en charge des besoins sociaux des bases, Mobutu Nzanga, a, au nom de sa famille politique et biologique, remercié tous ceux qui ont fait le déplacement de la cathédrale. Il a à cet effet déclaré que feu Maréchal Mobutu a consacré toute sa vie à consolider la paix, l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Pour lui, c'est le plus grand héritage que feu président Mobutu a légué au peuple congolais. Au nom de la famille Mobutu, nous bien propre, j'ai la signe d'honneur de m'adresser à vous en cette occasion solennelle de la commémoration du décès de feu le maréchal Mobutu Sese. Votre présence nombreuse ici, en ce lieu de prière, nous réconforte et nous consolide dans le souvenir inoubliable de notre défunt père, le maréchal. La réduction des émissions de gaz à effet de serre.